Allez, donc ça part sur l'hôtel de l'Yggdrasil, version chambre de bagarre, je crois, si j'ai bien vu. Oui, j'imagine, parce que sinon ça serait un peu problématique. Putain, sa mère. Tu vas y arriver, allez, c'est bon? Yes. Ah, et voilà, tu vois, qu'est-ce que il je t'avais dit tir, il m'en fait un tir. Qu'est-ce que je t'avais dit, mon gars? Alors bien sûr, Guerrido, première fois qu'il passe en stream aujourd'hui, on va être obligé de le présenter quand même. Hein. C'est notre grand champion montpelliérain, quoi. Ça fait longtemps qu'on l'a plus vu jouer héros. Non, mais ça fait très longtemps, mais par contre... Oh là là, la punition! Mais l'ami Guerrido, il commence à flamber, voilà. Du coup, Guerrido, joueur emblématique de Montpellier, bien entendu. Le joueur anti... Oh là là! Mais Guiri! Oh là là! Mais non, ah, ça tue pas! Mais non! Ah! Mais mon deuxième Dieu, fois, mais j'ai même pas envie de parler, mais arrêtez cet homme par pitié, mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais c'est simple, il y a besoin de plus rien dire en fait. Non mais en fait, c'est clair quoi, arrêtez quoi. Non mais Guerrido, voilà, c'est le joueur anti-compétitif par excellence, c'est pas le genre de mec qui traîne. Chaque tournoi, il nous sort des personnages différents. C'est même mec, pas par rapport au match-up, tu vois, là il voit son adversaire joue héros, donc lui il va prendre le héros, tu vois, juste contrôler, c'est normal. Après, c'est il a, non, mais après il a aussi un héros depuis un bon moment. Oui. Quoi? Bien sûr, mais bon. C'est, voilà. Ah voilà, Starlax qui laisse un peu parler quand même. Starlax, on l'a même pas présenté du coup. Hein. Starlax c'est quand même le numéro 2 de Smash à l'aise. Hein. Et oui, voilà. Bon, hein, et membre bien sûr de l'assaut, gérant sur le Discord, etc. Et un joueur de héros. Ça et... se punit. Voilà, à un moment donné, même si t'as beau être Guerrido, il y a quand même des trucs que tu peux pas laisser passer. Bien sûr. Et du coup, Starlax, le joueur de héros, depuis sa sortie, il faisait partie de l'armada de Montpellier à jouer le héros, hein, avec Enigma aussi. Et du coup, forcément, Guerrido, comme on peut le voir, entre autres. À faire attention à pas se faire endormir. Allez. Après, bon, le héros, ça peut comeback assez vite. Il suffit que tu chopes un kill, un point injuste. Bien. Oh là là quoi. Voilà. Après ça peut se faire. C'est... Alors sur le chat on nous dit ah c'est le Montpellier dont on m'avait parlé, tu vois, ça Cardin. Ça tue ça. Avec un pro. C'est voilà. Bon la fin n'était pas. C'était pas ce qui avait de plus hype. Ouais. Alors ce début de match mes amis, mais vous allez me clipper une minute de cette game, c'est pas possible. Putain, mais quand ils se regardent, genre. Oh là là. Vas-y. C'est... Allez. Et ça repart, ça repart. Et du coup, c'est voilà, c'est vraiment le match à la Montpellierenne par excellence. Deux joueurs qu'on voit souvent, un membre de l'assaut, pas le même héros, mais bon, ça, un top player, et surtout des matchs de héros, de gros fun, avec de l'aléatoire partout. Ah, dommage, il a même pas réussi pour une punition alors qu'il avait endormi Starlax. C'est dommage. C'est assez impressionnant. Mais Guerrido, retenez ce nom, parce que demain, il est connu dans la France entière. Je vous confirme. J'annonce voilà. Que la semaine prochaine, normalement, Guerrido, il va avoir 6 ou 7 propositions de contrat de structure. Ouais, c'est ça, quoi. Voilà. Bon, bref, là, en attendant, mais on a un petit peu le game plan classique du héros, c'est-à-dire, attends, je me mets à côté et je réfléchis au sort que je vais te lancer. Ouh. Oh, wow. Voilà, Starlax, il connaît quand même son perso, faut pas déconner, là, il a mis... Surtout que là, il a failli choper un kill. Ouais, mais justement, il a mis des petites passes sympas depuis tout à l'heure, il a un bon avantage. Guerrido reste calme comme son habitude, voilà. Il a une air in to faire avec le super décuplo, le super axe héros. Ah, c'est vrai que avec tous les buffs qu'il a, le héros, il faut tout trouver dans les mains, mais effectivement... Voilà, et les deux cherchent leur spell dès qu'ils ont le cas, c'est ça qui est marrant. Et la mobilité de Guerrido. Wow, oh mais c'est quoi ça Guerru? Il est invisible quoi. C'est extrêmement menaçant. Oh là là. Oh, mais ce match, c'est pas possible quoi. C'est juste pour ça que ça va sur Yggdrasil, il voulait pousser le vice jusqu'au bout quoi. Ah, là il a essayé de rire d'un truc assez simple quand même. Ah, faut pas déconner, voilà. Allez, voilà. Starlax qui se laisse pas faire. Non, mais là Starlax quand même c'est pas dégueu hein, il a quand même. Oh là là. Mais voilà. Mais s'il vous plaît quoi. Mais là on est vraiment Montpellier, il n'y a aucun autre endroit en France où virer des matchs comme ça, vous le dites les gars. Mon Dieu. C'est pas possible quoi, mais le mec quoi. Voilà, Guerrido qui reprend l'avantage pour la fin quand même, c'est pas fini, c'est serré. En fait ils sont juste là pour déconner quoi, c'est... Y a pas de... Oh.
Et voilà ce qui fait de match guéri. Alors là, si vous connaissez le fameux coup de Tekken de Yoshimitsu, c'est quand le savent. C'est voilà, il a fait du Yoshimitsu, il s'est littéralement planté. C'est beaucoup. Game 3. Merci, c'était cool. Et du coup, bah, vas-y, à demain sinon. Allez. Bon alors, là, ça veut dire que Starlax peut l'avoir, ça. Ah, ce s'il serait drôle. Gagne, c'est là, ce serait drôle, franchement. Non, mais Starlax gagne Gerudo. Ouais, on arrête tous les pronostics, demain on arrête tout. Hein. Non, je suis trop. Oh non. Oh là là. Le bracket est mis à jour quand alors, ce sera à jour quand on aura. En fait, c'est normalement en temps réel. Non, mais Go Hérisson qui nous dit la gueule du match. Mais merci, oui, souligne mieux ça. Je sais pas où ça en sort des poubelles. What? Ah oui, non, mais ce match, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable, mais il n'y a aucun autre monde. Là, on vit un moment épique dans l'histoire de Montpellier, c'est pas possible. C'est en fait... Megabang, mais qui était un petit peu trop tôt. Voilà, voilà, on se recalme un peu. Père. Les petits bands qui dans ce match-up est trop fort, quand même. Oh, là, c'est dommage. Là, il y a plein de coups qui se punissent pour Gerudo. Enfin, de... Ouh. La lame de feu. Starlax qui est on fire. Ah mais Starlax il se laisse pas faire. Oh le kill. Oh là là. Le kill à bout pour toi, évidemment, ça tente, évidemment, hey, évidemment. Ça tente. Alors on va voir une femme magistrale. Oh là, ils ont les doubles bonnes, ça a plus servi au même, c'est. Parce que ça... non, ça a pas marché. Voilà, attention. Oh là là. Non mais le bounce dans ce match-up, il est vraiment trop fort. Mais comme tu regardes ça, j'ai l'impression au moins de voir un... C'est un match de Hearthstone tour par tour, t'as le tour de l'adversaire, voilà, là, et voilà. Bon, une mort classique. On a un problème, dis-moi. Un léger problème. On a une poule, il y a Héraclès donc, qui est victoire en pour Gerudo, bien joué de joueur, Starlax n'a pas démérité. Et là, il y a Viennois qui est en 5-5 et qui va perdre au CO. Moi, je prédis qu'il va perdre 0-1, et donc du coup, on aura 5-7 pour Héraclès et pour Viennois. Ah, comment on départage? J'ai regardé sur la là, ce cas. Ah oui, Reiju, il a créé des clips. Merci Reiju, tu es l'homme qui crée des clips aujourd'hui. J'ai tellement envie d'aller voir ça, mais en vrai, c'est le clip, il dure combien de temps? C'est pas possible. Non, mais c'est passé des trucs trop fous dans ce game. Genre, ils ont non, mais le même nombre de games. Non, non, mais qui a gagné entre les deux matchs, le match des deux. Ah, donc ça fait 2-1 pour Salax, du coup, parce que Salax a pris une game après le c'est beaucoup si tu veux me prendre, de la Ligueru. Yes, ah, mais Bobby est là, nickel. Non, mais ça, c'est du grand Montpellier. Là, mec, tu vois un tournoi comme ça, tu sais où t'es, mec, en France.